Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et oui. Et on se retrouve aujourd'hui, mes amis. On se retrouve pour l'épisode 34. Une émolite play sur le jeu Monster Hunter World. Et comme vous pouvez le constater, mon personnage est chaud. Mon personnage en veut. Et nous allons avoir aujourd'hui la revanche d'un Blarkan sur une licorne bleue. Oui, ça va être épique. Et donc, j'ai changé des trucs. Mes amis. Oui, j'ai changé des trucs. J'ai la même armure parce qu'elle a une bonne protection contre la foudre. Il faut pas se mentir. Et j'ai juste augmenté avec des sphères de compétences pour avoir plus de compétences. Enfin, plus de protection. Voilà. Et après, j'ai étudié grandement les dragons anciens. Hello. Tic, 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 tic. Hello. Tic. J'ai étudié les dragons anciens. Mais il m'a pas dit grand-chose. Il m'a pas dit grand chose en fait. Bah oh bah oh bah oh bah oh. Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et oui. Et on se retrouve aujourd'hui, mes amis. On se retrouve pour l'épisode 34. Et des bolides play sur le jeu Monster Hunter World. Et comme vous pouvez le voir, je suis chaud. Je suis préparé. Et cette licorne bleue va connaître la colère du Blarkan. Là, elle va connaître... Blarkan ? Oui, Gizmo. C'est bon, on peut y aller, là. Oui, Gizmo. Ça fait trop longtemps que t'es ici. Mais on fait juste de commencer l'épisode. Bon, je disais quoi. Cette licorne va connaître la fureur d'un Blarkan préparé. Ouais. Vous allez voir. Et donc j'ai remis mon armure de fer en or, en plaqué or, tout ça, parce qu'elle a une bonne protection contre la foudre, hein, quand même. Mais je l'ai simplement améliorée. Alors comment qu'on fait que pour la voir? Vous pouvez pas voir? Eh ouais, vous pouvez pas voir. Mais en tout cas, j'ai une petite protection des familles, ainsi que des couteaux. Voilà, j'ai des couteaux de dragon. Et comme c'est un dragon ancien... Je me suis dit que peut-être ça a été cool. Alors vous m'avez dit aussi le feu, elle craignait le feu. Bah on va tester en fait, j'ai envie de dire. Mais je crois que ces couteaux seront bien. Ouais. De tous mes couteaux, c'était les plus puissants. Et je me dis que ça peut être épique. Du coup, j'ai suivi les conseils de Ceris. J'ai pris la cape du gardien. Voilà, pour avoir plus de protection. Et du coup, nous allons combattre. Nous allons combattre la licorne. Où est la licorne? Bah non, t'es pas tac de boulet. Tic. On va prendre ça, histoire de mettre plus de vie, plus de popo. On va prendre stratégie. Alors je sais, vous m'avez dit... Hop, je sais. C'est quoi, c'est... Fuck Metal Hippie. Bah, en fait, je sais pas trop. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ah. Ok, je viens de comprendre. D'accord, donc on fait comme ça, et après on fait comme ça. Ah ouais, ça peut être plus pratique. Ouais, j'ai un peu de mal encore avec ces trucs. Oui, je sais pas ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a dit, on fait ça à la capsule. Et donc, la licorne devrait être par là.
Ah, c'est le début de la session, hein. C'est le début, ça fait une semaine et demie que j'ai pas joué. Ah là, faut pas trop m'en vouloir, hein. Et j'ai mis la cape du gardien, mais le temps que je trouve la bestiole, en fait, ça va me servir à rien. On est d'accord? Bah. Cherchons la licorne. Où est la licorne? La licorne? Elle est pas là. Est-ce qu'on peut grimper? Eh oui! Stratégie, mes amis! J'ai vu des éclairs là-bas! Est-ce que ça veut dire que la licorne, elle serait là-bas? Ou est-ce que c'est simplement le fruit de mon imagination? Oh! Je suis peut-être un peu trop loin là, on est d'accord. Yolé! Youhou! Elle est où la licorne? Elle est où? La dernière fois, je l'avais trouvée tout seul. Bah. Très bien. Est-ce qu'on peut grimper ici? Non. Mais est-ce qu'on peut grimper ici? Oui! Allez! Allez! Oh là! Oh là là! Bah! J'étais déjà venu ici, je crois que c'était pour le Legiana. Il m'avait fait venir ici, donc je crois que c'est le nid du Legiana, mais du coup... Je ne sais pas où est la bébête. Très embêtant. Alors, cherchons des traces de licorne. Licorne. Qu'est-ce que c'est? C'est une baissouin. C'est embêtant. Je sais pas où elle est. Elle est dans le coin, hein. Il y a des vieilles empreintes. Ah bah voilà. On va suivre la piste. Suivons la piste de la bébête. Par là-bas. Tic 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 tic. Allez. Elle devrait être par là. Si j'atteins le niveau 2, je devrais pouvoir la repérer. C'est vrai qu'elle m'avait emmené la dernière fois, je m'en rappelle. Traquer le monstre. Ça y est, je vois. Hop là, on se téléporte, on se prépare bien. Top moumoute, la fougère. Ma cape de gardien ne sert à rien. Ah bah bravo, ça servait beaucoup à... Tic tic. Où est... là? Mais j'y étais il y a 30 secondes. T'as le jeu, quoi. Yeah.
Youhou! Et par où? Par là. Yep. Alors j'y vais prudemment, je suis pas totalement en sécurité, vous voyez. Je me sens pas très très flex. Par là. Et voilà la licorne. Elle est là-bas. C'est barré. Allez. Ya. Tapez la tête. Tu m'as eu la dernière fois, mais là je vais t'avoir, licorne, mais les doigts de pied. Ah. Ah non. Ah non, non, non. C'est pas du jeu là, c'est pas du jeu, il y avait un crapaud. Yeah. Allez, 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 regardez, je lui fais des dégâts. Yeah. Donc on ne peut pas la frapper. Elle me fait des dégâts aussi, hein, la vache. Elle me fait des dégâts, elle me fait des dégâts. Yeah. Ah non, je suis paralysé, je suis paralysé. Allez, allez, allez. Merci Gizmo. Mais je crois que c'est pas toi qui m'a tapé. Ya, allez dans le cucu. Ya. Le but c'est qu'elle ne nous tue pas, faut que je fasse attention à ma vie. Cible arcane stratégie. La stratégie du arcane. Et arrête de courir, Billy. Ah. La cape du gardien. Ya. Petite popo. Stratégie, plus de pouvoir magique, plus de défense. Ah, tu ne peux rien faire contre moi. Ah si, tu peux en fait, tu peux, d'accord. Eh, au secours, aidez-moi Gizmo, merci. Merci, merci Gizmo. T'étais pas obligé. Oh putain. Quoi, ma cape, elle est déjà morte? T'en sert à rien cette cape en fait. Allez, let's go! Yo! Allez, vas-y, Scargrappin! Vas-y, Scargrappin! Tic, 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 on y va, on y va, on y va, on y va, on n'a pas peur, on n'a pas peur! Là, le point d'exclamation, c'est déjà pas mal. Elle retourne là-haut, là où elle nous avait explosé. On s'en rappelle. Il est temps de passer à la stratégie. Elle est où? Elle est là ma stratégie. Ah ah! La stratégie a quand même marché. Ça fera quand même des dégâts. Yipouya! Bon. La technique du kamikaze, c'est pas peut-être pas la meilleure, mais bon, pour le moment. Stratégie! Ya! Tic 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 tic! J'avais au moins cassé la corne. Aïe 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 aïe. Ya! Raté!
Yo. Tic 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 tic. Attention. Bouya. Oh, ça fait mal, ça fait mal. T'es pas obligé de sauter, tu sais. J'étais pas obligé de sauter, hein. Moi, je me barre. Voilà. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est dangereux. Ça marche pas. Allez. Yeah. Mais elle fait des dégâts là, elle est en mode énervée la petite. Putain, c'est pas ce que je voulais faire. Non, non plus. Attends, mais ma vie, ma vie, ma vie. Je passe mon temps à me soigner. Oh, ça va faire mal. Non, 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 non. Vas-y, vas-y, embête là, vas-y, Gizmo, t'es le plus fort, je t'aime, t'es mon chat. Oh putain, oh les vénères, oh les vénères. Yeah. Oh oui. Oui. Yeah, allez, la 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 la, on le défonce. Oh oh, ça fait mal. T'as les popos, les méga potions, j'en prends plein. Mais laisse-moi partir. Tic tic. Yo. Dans les fesses. Mince, 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 mince. Aïe. Vite, Gizmo, aide-moi. Gizmo. Gizmo. Aidez-moi. Aidez-moi. Oh putain, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Putain. Bon, stratégie, stratégie, mes amis, hein. Hop. Non, mais... Bip, bip, putain. Mais... C'est pas ce que je veux faire. Bon, tu veux remettre? Allez, voilà. Là, tu remets. Voilà. Non. Voilà. Pas. Mais c'est quoi? Ça marche pas comme d'habitude là. Je suis pas content. On va prendre des grosses bandes de parades pour faire tout péter. Et puis voilà. On se met de stratégie. Manger. Fait rien du tout. Mettre plus de trucs, voilà, voilà. On se la fait stratégie, hein. On fait pas comme la dernière fois. Voilà, comme ça on a plus de vie, on a mangé, tout est bon. Dans le cochon. On lui a fait beaucoup de dégâts. Donc normalement, il y a matière à pouvoir... la tuer. De toute façon, cet épisode, je vous ai dit, c'est la revanche du Blarken. Le Blarken va la tuer.
Voilà. Quitte à mettre 50 minutes, 50 essais, 70 heures de jeu rien que pour tuer cette bestiole, nous passerons autant de temps qu'il le faudra. Scar Grappin. Roulez. C'est pas encore ça, hein, la science des Scar Grappin. Voilà. Olé. C'est barré où? C'est barré? Bah où est-ce qu'elle est? Ah, je suis perdu. Ah bah j'ai trouvé. Mais qui... Quoi? Je comprends plus rien. Je tombe, elle me frappe, je la perds de vue, je ne sais pas où elle est. Où est-ce qu'elle est? Là-bas. Allez hop. Oh non. Ça marche pas ton truc, Fuck Metal Épée. J'y arrive pas. Je comprends rien à ce truc. C'est vraiment pas pratique, je trouve, c'est pas ergonomique du tout. Allez, viens là, la licorne, je vais te montrer ma grosse épée. Droit dans tes fesses. Ya! Allez, on continue, on la défonce, on a plein de vie, on peut lui faire du mal. Je continue. Yeah. Allez, 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 allez. Visez la tête, faut viser la tête, Blarkian. Vise la tête. Vise la tête. Voilà. Je vise plutôt le cucu, moi, en ce moment, hein. Allez, viens. On lui fait des dégâts, on lui fait des dégâts. J'essaye de viser la tête, hein, je vous jure. Oh oh. Mauvais choix, Blarkan. Va-t'en, va-t'en. Allez, la licorne. Ça va faire mal. J'avais dit, hein. Mais elle est... Mais putain. Mais laisse-moi me barrer. Non. Ça va pas toucher. Ah oh bah... Là, ça va me toucher. Quoi?
mais c'est quoi ce monstre? Il me reste qu'un seul essai. Stockage. Voilà. Il me reste qu'un seul essai, c'est dingue. J'ai le ventre plein. Il me reste qu'un seul essai et elle me fait des dégâts monstrueux, c'est... C'est énervant et en plus j'ai même pas la pression que je vais pouvoir la tuer quoi. Ça me... Ah là ça m'embête. Ça m'embête hein, c'est dur. C'est un monstre dur. Il est dur, j'ai l'impression de pas avoir le niveau. Allez, m'en fous. Allez, je vais te péter la tête, moi, tu vas voir. Alouette. Alouette. Y'a rien du tout, quoi. Y'a un truc de dingue. Gentil, pas tapé. Yeah. Ah, ah, là, elle est bien. Là, elle est comme j'aime. Elle va retourner dans son lit pour faire dodo. C'est... On est en train de refaire le même schéma que la dernière fois. Est-ce que le Blarkan va mourir? Est-ce qu'il a la stratégie, le Blarkan? J'ai envie de dire oui. Il a de la stratégie. Stratégie, c'est si elle fait dodo. Si je lui mets un grand baril. Alors... Alors... Ça va lui faire le double de dégâts. Et moi, le double de dégâts, je dis oui. Olé. Alors, qu'est-ce que tu fais, Blarkan? Bah, j'essaye d'attraper le Scar Grappin. Voyons. Mais comme j'appuie pas sur le bon bouton, ça marche pas. Ah, j'ai presque plus de pile. Ah, je les ai rechargés il y a pas si longtemps, donc ça devrait plutôt bien se passer. Vous imaginez si ma manette se déconnecte alors que je suis sur le point de vaincre? Oh, je vais racher, hein, si c'est ça. Hein. Je vais rager, je vous le dis. Hein. S'il se passe un truc comme ça, je vais rager. Allez, 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 allez. Elle fait dodo? Dis-moi qu'elle fait dodo. Alors. Tout doucement. On va faire, hop, un deuxième. Et on va tout faire péter! Yeah. Allez, là on se la joue bien, là on se la joue bien. Allez, 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 on défonce, on défonce, on défonce, on défonce. On se la joue stratégie. On se la joue stratégie, mes amis. Cette fois-ci, la licorne meurt. Je prends pas de risque, je me soigne, peu importe les dégâts. Je me soigne, je ne prends pas de risque. Ah non, 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 je prends les risques, je prends les risques. Ah, je vais casser sa corde, je l'avais pas vu. Allez, on continue!
Oh non, 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 non. Il stresse un tout petit peu quand même. Hein. Allez! Allez, il est presque mort là! Regardez! Elle a plus de vie! Moi aussi d'ailleurs. Putain, non! Non! Ah non! Ah non! 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 Vous avez eu un petit Blarkan complètement. Putain, allez. Non, 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 ah non, ah non. Mais, Gizmo, aide-moi, s'il te plaît, Gizmo. Aide-moi. Oh, ça va faire mal. Hein. Le stress du Blarkan. Ah! La cape, les amis! Oh non, non, non! Ah non, non, non! Non! La cape! C'est bon, c'est bon. Ah, c'est la cape, elle est morte. Oh non, 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 non. Stress. Oh putain, j'ai volé. Je m'en fous, je prends toutes mes ressources. Allez, la licorne à revanche, le Blarkan, on y croit tous. Putain. Oui, je sais, je sais. Je sais, ma mallette. Pire, c'est que je peux pas mettre sur pause. Allez, c'est quand qu'elle meurt. C'est quand qu'elle meurt. Alors attendez, je vais mettre mon cap. Ah là, j'ai mis mon câble, les amis. Histoire de qu'elle se recharge. Où est-elle? Ah bah bravo! La licorne face à Blarkan! Le Blarkan face à la licorne! Elle a combien de vie, quoi? Oui! 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 Je l'ai tuée! Elle est morte! Elle est décédée! J'ai tué la licorne! J'ai tué la licorne, les amis! J'ai tué la licorne! Elle est morte.
Elle est décédée. La licorne. Wouhou. Je veux danser le disco. Elle est morte, elle est décédée. La licorne est décédée. Le dragon ancien, c'est qui a gagné? C'est Blarky, c'est Blarkan, c'est Blarkouné. Oui, bébé. Wouah. Stratégie. Mon de Dieu. Ah ouais, quand même, hein, c'est... Il y a du level, là, les amis, il y a du level. Ouh. Nous avons vaincu et gagné la licorne. Ouais. Ah. Bon, on va essayer de trouver le cochon maintenant. Les anciens Wyveriens sauront peut-être nous dire où se trouve le Zora Magdaros. On s'en tape. Je viens de tuer un Kirin, un dragon ancien. Oh yeah, bébé. Et il est où? Fuck Metalipi. Fuck Metalipi. Fuck Metalipi, est-ce que tu m'aimes? C'est parce que je t'ai délaissé depuis quelques épisodes que tu veux plus me voir. Ah, il y a un truc ici. Biologiste impatient. Salutations. Ouais, je viens de vaincre le Kirin. Ok. Et nous avons investi toute notre énergie dans la conception de cet instrument. Merci. Considère ça là comme un cadeau. Ah bah voilà, la cape de paratonnerre que Ceris me disait. Mais pour ça, il fallait tuer le Kirin pour avoir la cape de paratonnerre, Ceris. Je pouvais pas l'avoir avant. Parce qu'il fallait tuer le Kirin. Hein, Ceris? Bon, il est où, fuck Metalipi? Il est où, fuck Metalipi? Il est là. Fuck Metalipi, reviens. Bah alors, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ah ouais, faut que tout que je refasse. Attends, fuck Metalipi, on va changer tes habits. Hop là, on va te remettre comme ça, c'était déjà mieux. Et on va changer ta couleur. Alors on va te mettre... le vert. Ouais, on va te mettre vert. Et... vert et bleu. C'est joli, vert et bleu. Moi, j'aime bien vert et bleu. Ah, j'aime bien ça. Ça fait pas... ça fait grumps. Ah, je préfère comme ça. Peut-être blanc. Ah, non, je préfère comme ça. Oui, tu es bien plus joli. Ah là, tous les tigres du Bengale. Avec des couleurs très différentes, je te l'accorde, mais quand même. Tiens, mon petit fuck metal épée, est-ce que tu peux vibrer? Tiens, sans les fesses du motivé. Vas-y, sans la sympa de la cinquième. Bah. Canin. Bah, ils sautent plus comme avant, c'est triste. Donc en attendant, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Massacré. Et le GG, j'ai vaincu le Kirin en mode stratégie. C'était galère, j'ai failli mourir, mais c'était lui, et ce n'était pas moi. Donc on se retrouve pour la suite, pour l'aventure, on verra ce que nous avons débloqué, d'autres choses, de l'épicness, la suite. Et en attendant, bah, merci de m'avoir regardé. Bye bye!